fondamental d'être un libraire indépendant. Le but de la librairie indépendante, d'apporter de la diversité, un regard particulier. C'est pour ça que je suis devenu libraire, c'est pour être indépendant. Je veux faire mes choix, je veux avoir le droit de me tromper, je veux avoir le droit d'être collé et d'être troublé par des lectures de lecteurs et de clients. Je cherche très clairement une émotion. Je veux que ça me fasse réagir, je veux que ça me dérange, je veux que ça me plaise. La connaissance en elle-même, on peut me raconter une histoire d'amour que j'aurais déjà eu l'impression de lire. Il faut trouver quelque chose d'autre, une autre porte d'entrée. La vie rêvée des jeunes de Riyad Satouf, quel que soit le volume, le premier, le second, le troisième, évidemment, parce que j'ai grandi avec. Tous les jeunes de Riyad Satouf sont devenus comme des copains, que ça soit l'Arabe du futur, que ça soit Esther. J'ai l'impression de connaître Esther alors que j'habite plus Paris et que j'ai un petit peu plus que 12 ans. Tukwan Island de David Van, c'est une balade en barque en Alaska où tout se passe bien et d'un coup, on bascule de l'autre côté et là, on ne revient pas de ça. C'est un uppercut directement dans le foie et on a besoin d'aller au bout. Le soleil d'Escorta de Laurent Godet. Mais dans un cinéma du futur, un cinéma en 5 ou 6 dimensions avec des odeurs et de la température, il faut qu'il fasse chaud, la chaleur des pouilles, une chaleur sèche. Il faut l'odeur d'origan, il faut une odeur de grillé, un cinéma évolutif. C'est The Impossible Collection d'Assouline. Celui sur les vins est magnifique, celui sur le design est magnifique. La qualité de papier est hallucinante, les photos sont magnifiques, les couleurs sont respectées. Ce sont des livres qui donnent envie, vraiment. Et j'ai celui sur le design, il est canon. La mer est ronde de Denio, parce que c'est un livre magnifique et que j'ai demandé ma femme en mariage avec ce livre en lui disant « Viens, on va vérifier que la mer est ronde ». Non, la littérature aide à séduire forcément parce que les auteurs se livrent et du coup, on est accompagné, on a envie de se livrer aussi et de se proposer à l'autre.